RMC. 1, 2, 3, 4. L'immanquable grande gueule. Vous savez, on a toujours vécu avec Jalon et Basile de Coq. Les portes étaient ouvertes. La porte est ouverte à tous. Yep. Ça va mieux avec Karl, zéro. Pas de nouvelles, sans doute bonne nouvelle. Non, c'est pour ça, leur maman et Noël, c'est pas bien, une famille divisée. Je fais un appel à Karl, là, aujourd'hui. Ouais, ça serait bien qu'on aille tous ensemble voir Maman Bonheur et qu'on se tienne la main et qu'on soit réconciliés. Donc ça a même fait du mal à l'unité de votre famille, c'est de mais ce combat. Mais c'est ça, mais c'est tellement important ce que dit cette loi. Encore une fois, non pas sur l'égalité des droits des couples, mais sur le changement anthropologique, ce brouillage anthropologique de la fabrication de la transhumanité, que ça fait éclater des familles. Parce que ça a emporté aussi les gens de pouvoir, sont restés au pouvoir. Les gens, moi, vous savez, je ne dépendais de personne, encore une fois, et d'aucun pouvoir, sauf de ces gens dans la rue, que je vois encore aujourd'hui, et je tiens à vous le dire, et peut-être vos auditeurs, et peut-être d'autres aussi, qui viennent me voir les larmes aux yeux en me disant « tu lâches ». Pas parce que tu lâches personne. RMC. 1, 2, 3, 4. L'immanquable grande gueule.